Si c'est une illusion, il faut étudier l'illusion et regarder si c'en est une. Pour ma part, je le vois comme un fait social indubitable. Ça se voit par exemple dans des déclarations de certains, de certains politiques. Quand vous avez Monsieur Mélenchon qui participe à une manifestation du CCIF, ou pas, ou dans, des, dans des manifestations contre ce qu'on appelait l'islamophobie, où il y avait clairement des islamistes radicaux, Monsieur Mélenchon, quand il fait ça, tombe dans l'islamo-gauchisme, sans aucun doute. Voilà la collusion. Alors, moi, je veux bien après que des spécialistes de sciences politiques analysent ça, trouvent d'autres mots pour décrire le phénomène. Chacun doit voir ça avec sérénité, objectivité. Alors, moi, je veux bien après que des spécialistes de sciences politiques analysent ça, trouvent d'autres mots pour décrire le phénomène. Chacun doit voir ça avec sérénité, objectivité. En fait, j'ai trouvé une solution pour ceux qui pensent qu'il y a un grand remplacement, comme Éric Zemmour. J'ai trouvé une solution pour eux. Niquez vos mères.